retrouve Tony Sébastien Kassa et puis Guy Loïc Dipanda Ngoté et Franck Steve Belobom. Et en attaque, on a donc Bill Sorol. And the free kick will be executed by Bahaza, former player of Young Sport Academy of Bamenda. Bahaza moves forward. Long one inside. And a punch, double fist, and another ball. Ball won there by Loic Dipanda. Loic Dipanda still in control. Dipanda, what would he beat? Ali Bitoro. Loic Dipanda beats one man again. Loic Dipanda. And the ball has succeeded to make it count. Thomas Belibi, 30 minutes into the game. Still 0 for Canon of Yaoundé and 0 for Bambuto Sobuda. Avec Guégou. Pour la Ritchie dans la surface de Bambutos, le centre et la mort, pénalty. Il pouvoir transformer ce pénalty, il prend quelques pas d'élan. Le dossard bon du canon Yaoundé, c'est là, c'est contre-pied parfait. Ouvert for Bambutos of Buddha. Bambutos of Buddha attacking. Ndesso gives a long one into the penalty area. The ball cleared out. Anondongo. And of Bambutos of Buddha in the 18-meter area. Kupimani takes an execution. Dongo plays with Diboto. Diboto now. Betoro, a long one towards Mangamba. Mangamba, a crossing for Mangamba. Clear out by l'entraîneur, que l'arbitre Méfiré Abdou met fin au débat de cette première mi-temps. Alors, pour mener au score, essayer de sécuriser les 3 points. Out. Now, Kupimani. Mani, and the ball won there as Canon of Yaoundé attacks again! Goal for Canon of Yaoundé! This is his second goal in 2 games. What a player! What a signing, Thomas Belibi! Oui, Bill Dorol Songa, le transfuge de Lausanne d'Anguissa en janvier dernier, qui confirme ses débuts tonitruants sous les couleurs du canon sportif de Yaoundé. Il avait été buteur. Il a été buteur dimanche dernier contre Dynamo de Douala. Et le va tout. Parce que là, vraiment, le match est si plié. L'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Alors, we'll be introducing Ninju. First of all, they need to defend this free kick. What a now. Tony plays out with Steve Belobo. Belobo against Yapende. Belobo beats Yapende. Belobo is now in control with Paul Arichike. Chike against Len. Chike beats Len. Chike in the penalty area. Goal for Canon de Yaoundé. À ce moment du match, 73e minute, Canon de Yaoundé est très bien parti avec ce troisième but pour obtenir les 3 points. Difficile à contrôler en termes de pression que Canon Sportif Yaoundé. Est-ce qu'on peut faire mieux pour pouvoir s'imposer dans une telle équipe? La plus-value à cette équipe qui lui permet à cet instant, attention, c'est peut-être et à the double goal scorer this afternoon, Nsongo, a cross in. Yapende clears that one from getting to Diboto, plays the corner straight into the hands of goalkeeper Jordan Bainassem. Yapende, who to execute it? It is Yapende, and it goes over Anondongo. Bambutos of Buddha, BD wins it in midfield. And the ball goes in, a crossing. Thomas Belibi, it was a pleasure sharing this particular encounter with you. Goes to the fourth position as Ego de la Menua is now third in Group A with 24 points.